prend les deux. On a 17 fruits. Par contre, c'est la promo, hein, parce que si on se fait biter. Tant pis, c'est pas cher. Et la marque plus. Oui. Un seul? Ma petite vidéo, je voulais absolument faire une petite skincare routine de chez Typology. Déjà, elle fait quand même, je vais la faire. Je vais faire mon petit Janox Stack. C'est parti. Moi, j'ai déjà fait mon diagnostic, du coup, j'ai déjà reçu les produits qu'on va tester juste après. Poche, cerne. Ouais, deuxième préoccupation. Point noir. T'as pas de sécheresse des fois? Non, j'ai la peau grasse, non. Zone de brillance, non? Allez, on met. Moi, je nourris ma peau matin et soir. Ouais, c'est vrai. Là, toi, tu es ouais, très assidu niveau skincare. Hein. Avec le gouache, ça et tout. Est-ce que j'ai des rides d'expression quand je souris? En vrai, un peu, mais enfin, ça va. Genre, t'en as moins que moi en tout cas. Fais voir. Oui, ouais, ouais. Mais pas de doigts, genre. Moi, j'ai aucune ride. Vous maquillez-vous? Tous les jours. Très, très pollué, hein. Enfin, ouais. Je me considère. Moi, j'ai médium. Parce que des fois, on bronze, mais on brûle. Ouais. Diagnostic, meuf. Ah! On est pareil! Ouais. Ça, moi je l'ai pas eu. Moi j'ai pas eu le sérum pour les yeux. Ça, je l'ai. Mais on a une peau en bonne santé. Hein. Ben ouais. Hein. Et meuf, là c'est tout le diagnostic et tout que t'as et tout, genre des matrices. On est équilibré. Non, mais on est bien détaillé. Hein. Pas mal. Ready for the skincare? Yeah. Which one? The brown. Ok. On dégage le visage. Très important. Tu le mets super rapidement, toi. Ah, moi, c'est toute une étape. Hein. Donc là, on a tous les petits. La petite skincare. Les diagnostics ont été faits et pour moi et pour Jaja. Ça a été fait par des experts. Tout est approprié pour notre peau. Là, on est sur la skincare du matin. Morning skincare. Petit point hyper important, à savoir que les produits sont made in France. C'est vegan. Ainsi que les packaging. Ouais, les packaging aussi. De un, c'est très joli, puis rien à dire. Efficace. On n'a plus qu'à tester tout ça. Enfin, moi, j'ai déjà testé, ça fait deux semaines que je l'utilise et tout. Pour le moment, ça se passe bien. J'ai pas encore d'effet flagrant. En même temps, en deux semaines, c'est pas comme ça que ma peau peut s'habituer. Donc, un petit changement. On est vers. Très chaleureux, on y va là. Faut avoir une belle peau. Ah oui, et du coup, lors du diagnostic, on a dû dire nos trois points les plus importants. Ouais, pour qu'on vraiment changé sur notre peau et améliorer. Moi, du coup, j'avais mis point noir, pore dilaté et teint terne. Moi, j'avais mis point noir, cerne, parce que j'ai beaucoup de cernes. J'avais pas de zone de brillance vu que t'avais un peu la peau grasse ou quoi? Non. Ah si, je crois que j'en avais mis. Comme ça on a des petits produits en commun et tout. Ouais, parce qu'on a le même type de peau du coup. Ouais, on est en type AE, comme 3% de la popu. En tout premier dans la skincare, on pioche. C'est l'hydrolat de fleur d'oranger bio. Ça va nous raviver l'éclat. Exactement. Et c'est là aussi pour régénérer la peau. Et bien évidemment j'ai des petits cotons réutilisables et lavables de chez Typology. Un pour toi, un pour moi. Ça sent bon. C'est hyper frais. C'est la fleur d'oranger. Ouais. Ça sent les crêpes. C'est hyper frais sur la peau, j'aime bien la sensation. Le coton en plus il est hyper doux. Genre. Ça, c'est fait. On est sur la peau toute douce. Ah ouais. En deux, on a un sérum vitamine C, exact. Là, ça va nous redonner de l'éclat. C'est un sérum antioxydant. C'est pour donner de l'éclat à la terre, quoi. Attention, ne pas toucher ta peau. Hop. C'est comment sur ta peau? C'est agréable. Tu dois y voir, ça colle pas. Non. Voilà, bien on étire la peau comme ça. Là, on se fait un petit lifting. Ok. Donc là, déjà, on est bien. On part sur la crème hydratante. Celle-ci pour le visage. Donc là, on va venir hydrater et nourrir ton épiderme. Bien évidemment, c'est tester ce contrôle dermatologique. J'adore la crème. Moi, j'adore les packaging comme ça. Ouais. En aluminium, là. Pas mal. Et c'est pour tout type. Ouais,
de peau. De peau, parce qu'on n'a pas tout à fait la même peau. Moi j'ai la peau plutôt sèche, toi t'as la peau plutôt grasse. Ouais. Et celle-ci elle est adaptée du coup à tous les types de peau. Donc ça c'est bien. Dans le cou aussi. Ouais. Maintenant on passe au make-up, mais sinon cette skincare était très sympa. Comme je vous ai dit, ça fait 2 semaines que je l'utilise. Je sais qu'il faut pas du tout appliquer sur mon truc comme ça, mais écoutez, j'ai la flemme. Leur concept, j'aime beaucoup, de créer une vraie routine. T'as ton diagnostic en fait qui est directement fait et tous tes produits sont vraiment adaptés à toi et ton type de peau. N'hésitez pas à aller faire le test, je vous mets un lien directement en barre d'infos. C'est vegan, made in France. Franchement, ils font tout pour préserver l'environnement, donc c'est top. Sur le site, en fait, on peut retrouver toutes les matrices au niveau des produits. Ouais. Tu sais, genre des expertises et des trucs dermatologiques. Très pro, rien à dire pour le moment. Et moi, je vois une petite évolution. Rien de trop flagrant forcément en caméra. Mais au niveau de mes pores, je sens une petite différence. Et même, en fait, moi, j'ai beaucoup de points noirs au niveau du nez. Et même genre quand je me maquille et tout, bah vous savez des fois ça va venir rentrer dans les pores. Et au niveau des points noirs, je sais pas, ça va faire un aspect un peu chelou. Et je trouve que c'est mieux, tu vois. Genre avant vraiment j'ai galéré à les cacher genre. On se fait notre petit make-up, petit tour en ville, on va rejoindre le chéri de Jaja. Puis on verra bien ce qu'on fait après. À toutes les girls. Salut la populace. Vous savez aussi? Non. Non. C'est pas du tout. Bon tiens, c'est pas mon métier. Merci. Suivez-moi. C'est juste par ici. Allez viens. En vrai, je viens juste de rentrer. Après le resto on est allé, là on était allé au burger de Colette. C'était super bon et au niveau des prix et tout, franchement c'était pas super cher pour la quantité et la qualité. Donc très sympa. Et ensuite on est parti boire un verre au niveau des halles des Chartrons. Il est 22h40. Donc je suis assez claquée et je dois taffer tout demain. Donc je vais pas me coucher trop tard. Je vais aller démaquiller mon teint, faire ma petite skincare typology. En tout cas j'espère vraiment que ma vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée. Et je vous dis à la prochaine vidéo.